Les États-Unis ont espionné des responsables politiques en Europe de 2012 à 2014 avec l'aide des services de renseignement du Danemark. L'information a été rendue publique ce dimanche par la télévision danoise qui a enquêté conjointement avec plusieurs médias européens. Parmi les personnalités espionnées, Angela Merkel et son ministre des Affaires étrangères de l'époque, Frank-Walter Steinmeier. Cette affaire, confirmée par plusieurs sources, coïncide avec les révélations d'Edward Snowden en 2013. Cet employé de la NSA, devenu lanceur d'alerte, avait alors révélé l'existence d'un système de surveillance mondiale des communications, visant notamment les Allemands et le téléphone de la chancelière en particulier. Selon l'enquête, la NSA s'était branchée sur des câbles de télécommunications danois pour espionner des responsables de premier plan et des hauts fonctionnaires en Allemagne, en Suède, en Norvège et en France. Les services américains auraient ainsi pu accéder aux SMS et aux appels téléphoniques, au trafic Internet et aux services de messagerie de leaders politiques. La ministre danoise de la Défense, Trine Bramsen, aurait été informée de cette affaire en août 2020 et a déclaré à l'AFP que l'espionnage systématique par des alliés était inacceptable.